Nous sommes sur le parcours aventure du Fort Lécluse, qui allie à la fois un accrobranche, mais aussi une visite d'un site. L'idée au départ n'était pas faire que simplement un accrobranche. Au départ, c'était d'avoir une visite des lieux et puis de restituer la vie qu'avaient les soldats à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de dispositifs aujourd'hui qui permettent de mettre en valeur ces différentes options dans un site pareil. Et donc, un des moyens, c'est justement les lunettes. Et c'est vrai que les seules lunettes qu'on a trouvées aujourd'hui et après les discussions avec la société Epson permettent à travers l'accrobranche de pouvoir se fixer sur le casque et permettre l'activité sans nuire et sans risque de perdre de lunettes. Ici, le fort supérieur est classé pour son caractère paysager, c'est-à-dire qu'il faut réduire au maximum l'impact visuel des installations. Il y a aussi les contraintes qui sont liées au site en lui-même, parce que c'est un site qui est ouvert. Il y fait très chaud l'été, il y fait très froid l'hiver, il y a beaucoup de vent, donc mettre une scénographie classique, c'était pas possible. Il fallait aussi qu'on puisse proposer des contenus en plusieurs langues, puisqu'on est dans une zone à proximité de Genève qui est multiculturelle. Donc finalement, les lunettes de réalité augmentée, c'est la solution pour pouvoir proposer un parcours complètement inédit au public, puisque là, la scénographie, elle est embarquée sur le visiteur, c'est-à-dire que le site n'est absolument pas dégradé. Et donc pour nous, c'était vraiment la solution pour pouvoir faire découvrir ce site de manière très différente. Donc sur le toit, quand on pivote sur soi-même, on peut voir le paysage et au fur et à mesure, des marqueurs apparaissent dans les lunettes pour montrer des points particuliers. Sur les vidéos, il y a une vidéo qui est pour moi vraiment sympathique parce qu'elle présente l'histoire, enfin la vie de la garnison dans le fort. Au plafond, il y a ces étagères qui étaient mobiles pour mettre les aliments à l'abri et ça finit en disant « Ah, attention, les souris sont là !» et on les voit qui courent un peu et les gens doivent monter sur les rondins de bois qui sont eux aussi suspendus pour ne pas toucher les souris. Trop bien. Ça nous apprend des choses sur ce lieu. T'apprends tout en te déplaçant, en écoutant et en regardant. Ah bah là, incontestablement, je vais leur recommander de venir et perso, on viendra de toute façon. Très clairement, l'expérience qu'on fait vivre aux gens ici, si on n'avait pas l'outil qu'on a aujourd'hui à travers les lunettes Epson, on ne pourrait pas donner la pleine valeur de cet espace-là. C'est très positif pour nous.